J'ai passé une soirée très mouvementée. À un moment donné, j'étais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette fameuse soirée mouvementée concerne évidemment la suite de ce qui se passe avec ma maman. Les résultats sont tombés. Ils sont tombés, habituellement, ils tombent pas si tard. Ils sont tombés genre à 19h40, 20h. Je pense que c'est par rapport au fait qu'il y a eu la grève et du coup, tout a été décalé. Maman m'appelle, elle m'a dit, ça y est, ils sont arrivés. Je lui dis, alors, elle me répond, je n'arrive pas à les ouvrir. Bon. Ça, c'est un détail. Moi, de mon côté, je lui demande de m'envoyer le lien, donc j'arrive à découvrir un peu les résultats. Moi, mon obsession, c'était de voir son taux en priorité de glucose par rapport à ce fameux diabète fulgurant flash. Et donc, je regarde, et je vois, glucose, il est dans les normes. Donc ça, c'est bien, je continue à tout regarder. Et je vois, effectivement, il y a des taux qui sont plus ou moins quand même un peu au-dessus, mais rien d'alarmant. Mais je tombe sur un taux qui ne me plaît pas du tout, c'est tout ce qui est protéines réactives. Et je vois que là, pour le coup, le taux est très élevé, bien au-dessus de la moyenne, et je sais que ça, c'est signe d'une inflammation. Une inflammation au niveau de bah, là où elle avait mal, en fait, tout simplement. Elle est au bout du fil, donc je ne veux pas l'affoler. Je lui dis, bon, effectivement, le glucose, tout ça, c'est pas mal. Après, maman, il y a quand même une inflammation. Elle dit, oui, mais t'as vu, c'est bien et tout. Je lui dis, oui, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même qu'on contrôle, qu'on voit un petit peu plus. Oui. De là, on raccroche. Elle est en mode, je pense, soulagée. Moi, non. Non, parce que ce taux, je n'aime pas. Je n'aime pas ce taux. Et je me dis, bah, à 20h, de toute façon, t'as pas de médecin, t'as personne qui va t'appeler, enfin, en tout cas, qui va pouvoir analyser ses résultats. Donc, qu'est-ce que je fais? Évidemment, je cherche à joindre un médecin de garde parce que tu peux avoir un conseil d'un médecin de garde. Donc, ça, c'est cool. Je passe par le 15 parce que t'as pas le choix. Et tu commences à renseigner le nom de la personne parce que, alors, je resitue, je suis chez moi à ce moment-là, ma maman est chez elle. Une demi-heure après, ça prend une demi-heure, hein, le temps d'avoir... c'était un médecin qui était seul dans le département, donc autant dire que ça a pris un temps fou. Je tombe sur ce médecin, je lui relate ce qui se passe, il y a 4 jours, blabla, je l'emmène aux urgences pour une douleur là, le taux de diabète de malade. Alors il me dit pour le diabète, ça lui, à l'âge de... Enfin, par rapport à ma maman, son âge, ça peut être un épisode comme ça, c'est pas, pour lui ça ne l'a pas alarmé. Par contre, quand je lui donne le taux que je n'aime pas, il me dit, oui effectivement, il y a vraiment quelque chose... pouvez-vous me passer votre maman? Et je dis, bah non docteur, puisque là je suis chez moi. Il me dit, mais non, en fait, moi c'est pas possible, comment, je ne peux pas, moi, je n'ai même pas le droit, en fait, il faut que vous soyez avec votre maman, que je lui pose des questions pour que vraiment la suite puisse se faire. Et je lui dis, oui, mais docteur, moi j'appelle comme ça parce que c'est ma maman, elle est... C'est une personne qui est quand même anxieuse, Et là, il m'arrête, il me dit, non, attends, là, je vous arrête. Là, on s'en fout, là, on n'est pas dans le côté anxieux, là, c'est grave ce qui se passe. Il me dit, vous avez la possibilité d'aller chez votre maman? Je dis, oui, je prends ma voiture, je file. Donc, à ce moment-là, je vous resitue, même si c'est pas grave en soi. Moi, j'étais déjà en mode démaquillée, pyjama, devant ma série L'Impératrice. Quand ma maman m'a appelée, m'a dit, voilà les résultats. Donc, je suis montée, j'ai regardé. Et je lui dis, oui, docteur, donc je prends mes hugs, je suis en pyjama. Je file comme ça one again chez ma maman, mais ma maman n'est pas au courant. Donc dans la bagnole, oh, putain, je le savais. Putain, ça sonne. Donc je reprends, même si je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Comment je vais tourner ça, sachant qu'elle est déjà dans le lit, elle va rien comprendre. Je l'appelle, je dis, écoute maman, je suis désolée, mais je viens chez toi. Me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, voilà, ce taux-là, j'aime pas du tout. J'ai appelé un médecin conseil et il veut parler avec toi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que c'est ridicule? Ça peut attendre demain. Donc j'arrive chez elle. Je la vois avec sa petite tête, genre qui est pas contente du tout. Mais je m'excuse encore. Je dis, je suis désolée, mais maman, je m'inquiète. Donc je vais dans la cuisine. Elle va dans la salle de bain et elle revient. Alors ça, c'est pour la petite anecdote, mais je m'en serais passée. Elle arrive avec un mouchoir plein de sang qu'elle a comme ça, près de sa bouche. Elle fait, oh, puis il y a ça en plus. Je lui fais, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Tu saignes d'où? T'as craché du sang? Qu'est-ce qu'il y a? Elle fait, non, quand tu m'as appelée, j'étais énervée, j'étais dans la salle de bain, je me suis coiffée avec la brosse comme ça, hyper fort, et du coup, j'ai ouvert ce qu'elle doit se faire opérer, l'oreille. Super, bon, ça m'a quand même un peu rassurée, parce que j'avais peur que ce soit là. Je vous dis, on était mais tendus. Donc, tout ça avec le médecin conseil au téléphone. Enfin non, avec l'attente d'avoir un médecin conseil, j'arrive enfin à voir le médecin au bout de 20 minutes. Je lui dis, voilà, c'est de nouveau moi, ma maman est à côté, donc elle lui parle, elle dit, bonjour madame. Alors, elle lui pose effectivement des questions, est-ce que vous avez toujours mal côté droit? Ma maman, comme elle
sa hantise, c'était d'aller aux urgences. Elle fait, non, docteur, tout va bien. Je dis, maman, alors on commence à s'engueuler. Je dis, maman, c'est sérieux, là. Donc, si vraiment t'as mal, faut dire, non, vraiment, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire, vous avez encore mal. Oui, dans le dos un peu, mais ça va. Franchement, ça va. Au niveau du teint, est-ce qu'elle a dans l'œil, elle a les yeux jaunes? Je fais non, par contre, je trouve qu'elle a quand même le teint. Enfin, disons que ça fait comme si elle avait bonne mine. Là, elle me regarde, elle met un coup de pied, elle fait non, dis pas ça. Enfin, un sketch, je vous dis un sketch. Donc, ma maman disant que non, elle se sent beaucoup mieux qu'il y a 4 jours, c'est vrai apparemment. Qu'elle n'a plus, voire très peu mal, mais que son taux est pas normal. Le médecin dit bon, je vous laisse tranquille ce soir. Par contre, demain, il faut voir ça avec votre médecin. Je sais que ma maman est en attente d'avoir son médecin pour qu'on voit la suite. Voilà un petit peu le récit. Je suis épuisée, je suis crevée. Je vais vous faire quand même le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, donc le 7, elle a eu quoi, ma maman? Ah oui, je lui ai mis un petit livre de cuisine que j'avais eu à l'espace culture. Comment bien cuisiner, des idées avec des légumes notamment. Elle était ravie. Donc voilà. Et on va regarder le calendrier de l'Avent clinique. Et aujourd'hui, c'est une grande case, peut-être un crayon. Il est là. Un crayon, peut-être, ouais. Il y en a deux. Oui, hein. C'est normal. Je le pose là. Oui, c'est parfait. On va commencer par celui-là. Des premières choses pour la box arrivent. Il va falloir que je contrôle tout et puis que je compte. Ah, j'ai hâte. Je reprends. Nous en étions donc le 7. Je dirais un crayon ou un tube très long, alors. Il me plaît vraiment bien, ce calendrier. Le côté varié, la qualité, très très bonne idée. Un pinceau blush, écoutez, on en a toujours besoin. Moi, je suis ravie avec l'embout transparent. Nickel. J'ai mis ça parce qu'en fait, quand le monsieur est venu livrer, j'ai dû laisser la porte d'entrée grande ouverte et il caille énormément. Oui, 1 degré. Et je vais expliquer, alors elle me prend demain. À 12h15, c'est la standardiste que j'ai eue. D'accord. J'ai expliqué mon cas. Elle a dit que ça pouvait attendre demain. Qui la standardiste? Oui, bon, vous l'aurez compris. Demain, son rendez-vous, parce que son médecin n'est pas là, en tout cas aujourd'hui elle n'est pas là. Au moins demain, on va dire que c'est mieux que rien. Aujourd'hui, j'avais complètement oublié avec tout ça, c'est pas bien grave, mais il y a sa fille, la fille d'Eric, qui vient pour la fameuse table pour étudier, prendre les mesures, voir comment l'emmener. Après, il faut absolument que j'aille faire des courses. Je n'ai plus d'eau, je sais pas ce que j'ai foutu, je bois beaucoup. En ce moment, c'est vraiment mon truc. Je mets, on dirait une gousse d'ail, pas du tout, mon gingembre. Et j'attends pendant 2 heures à peu près. Et après, je viens le voir. J'aime bien, ça me fait du bien et ça a pas mal de vertus. Et puis, d'autres petites choses qui me manquent. Voilà. Il est 16h54, sa fille est partie. On a fait une ambiance de Noël, c'est pour ça qu'on a fermé les volets, mais il fait pas encore nuit. La table, alors, c'est pas qu'elle apprend pas, c'est que là, c'était un peu compliqué parce qu'il lui faut un peu de main d'œuvre. Parce qu'elle est très très lourde, c'est du massif. Hein. Et il fallait qu'elle réfléchisse comment la porter et tout. Donc c'est pas dit que ce soit cette semaine du tout. Mais j'espère que ce sera quand même courant décembre. Bon, dans tous les cas, ça va me laisser un peu plus de temps pour aménager, enfin dans ma tête en tout, penser à d'autres possibilités. Ouais, donc 17h, on est censé. Je crois que c'est le contre-coup. Je suis mais éclatée. Mais en même temps, il faut vraiment que je me motive. Qu'on se motive pour aller au moins acheter le nécessaire. Non, il n'y a pas, il faut y aller. J'ai également commencé à faire un petit peu le... Comment on dit? Les cartons là que j'ai reçus. Donc, tout checké, je suis en train de les compter. Ça prend une place folle. Mais je suis tellement contente, c'est cool. Demain, je crois que je reçois encore des colis. Enfin là, toute la semaine, ça va être comme ça. Je pense que je vais commencer samedi, si tout est là. Ah merde, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il faut que j'aille chez l'imprimeur absolument ce soir. Mais je crois qu'il ferme à 18h. Oh là là là. Je pense que je vais commencer la production samedi, j'en reçois tout. Et sinon, lundi, j'espère. J'espère. Plus vite je le fais, plus vite vous la recevez. Enfin, ceux qui l'ont commandé, bien sûr. Je vais aller motiver Eric, je lui demande s'il est OK. Pour qu'on y aille rapido. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous ai pas montré Baby, je crois, aujourd'hui. Ben non, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas venu voir la caméra aujourd'hui, pourquoi? Tu fais la tête? Ah bon? Qui c'est qui a fait ça? C'est qui, Jackie? Ah bah d'accord. Alors à chaque fois
que je lui parle et qu'il y a la caméra, voilà ce qu'il fait. C'est le séducteur. Par contre, tu sais que t'as pas le droit d'être là. Je viens de le laver, le plan de travail en plus. Donc on va le relaver. D'accord, donc c'est là que tu fais ta toilette. Ok, bon, bah, très bien. Hein. Pour que vous puissiez voir ses beaux yeux. Ah oui, d'accord, tiens ma puce. Oh, bah il a perdu le focus. Je suis là. Bonjour. Je vous laisse, comme je vous ai dit, parce que s'il faut que je fasse tout ce que je viens de vous dire avant, il faut que je vous laisse. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, évidemment, je vous donnerai des nouvelles. On est sur un vlog, je ne l'avais pas vu venir, hein, sur un vlogmas compliqué, quoi. Compliqué. Ça fait partie du quotidien, de mon quotidien actuel. Je vous embrasse fort, je vous dis à très très vite pour la suite des vlogmas.